dire maintenant, bah, le numéro, on le met ici, mais il faut voir si vous arrivez à le mettre. Bon, ça nous arrange quelque chose. Quoi. Donc, du coup, là, ici, le rebord là, qui va jusqu'à la porte, là, on a 34 cm. Dans appartements. Donc le salon, on s'en fiche. D'accord. Donc en fait, de manière diurne, on a une vision nocturne de tes effets lumière. La partie orange disparaît complètement. Et quand c'est allumé en bleu, la partie bleue disparaît complètement. C'est tout mon projet, tout mon concept, tout. D'accord. Ok. Bon, c'est pas mal. Alors, il y a 3 ans, nous ouvrions cette première école au monde de peinture murale monumentale et qui, du coup, a fait qu'il y a eu tout de suite un certain nombre de personnes, de jeunes qui venaient de l'étranger et qui se sont inscrites, notamment les 5 premiers inscrits ont été 5 Chinois et puis d'autres continents. Et en même temps, nous gardions aussi une part évidemment importante pour les jeunes qui venaient de la région Rhône-Alpes, où nous sommes installés. Et d'entrée, nous avons accepté jusqu'à 34 candidats. Et aujourd'hui, en troisième année, de ces 34 candidats, il n'en reste que 30. Le cursus scolaire repose essentiellement sur la base du dessin. Là-dessus, on est ferme. Il faut commencer par savoir dessiner. Et pendant 3 ans, beaucoup la première année, un peu moins la deuxième année et encore un peu moins la troisième année, ils vont être sur le dessin. Apprentissage, dessin modèle, modèle vivant, dessin d'objets, dessin de perspective. Bref, ils vont être sur l'apprentissage du dessin, croquis modèle, etc. Bon. Et puis, à côté de ça, ils ont le travail lié à la peinture elle-même. Peinture murale, ça veut dire la ville, ça veut dire l'urbanisme, ça veut dire l'architecture. Et donc là-dedans, ils vont travailler aussi les architectures des différents pays, les différentes formes d'architecture, les différentes formes d'urbanisme, le paysage, la végétalisation. Et en même temps, on va sur des cours liés à la mise en lumière, voir l'animation, voir la façon de travailler l'infographie, l'informatique de manière générale d'ailleurs. Et ils ont tous ces cours qui les amènent à ce que demain, ils pourront utiliser les outils du futur pour la pratique de ce métier. Dans cette école qui est une formation de 3 ans pour devenir peintre muraliste. Donc on a commencé par tous les fondamentaux, donc le dessin, la peinture. Après on a continué aussi sur tout ce qui est la préconception et la préparation d'un chantier comme celui-là. Donc il n'y a pas que la peinture, il y a aussi faire les devis, les commandes de peinture. Et vendre un projet aussi. Vendre un projet pour vraiment arriver à être indépendant et arriver à s'autogérer surtout le métier qui est peintre muraliste. Des cours d'histoire de la peinture murale. Donc on va pas refaire le cours complet sur les plus vieilles peintures murales du monde qui ont 36 000 ans. Attention, on arrive.
j'arrive. Il y a du fricassé.